Dans ce document, je vais vous présenter une technique qu'on appelle le sonar, et qui a environ 100 ans maintenant, donc il a été mis au point euh, pendant la première guerre mondiale. Donc à l'époque, euh, il y avait des, des nouvelles machines qui apparaissaient, comme les sous-marins, et euh, le sonar était une technique qui permettait de détecter ces engins. Donc euh, supposons ici un bateau qui est euh, en mer et qui est muni d'un sonar. Donc ce sonar, avec un émetteur, va produire des sons. Donc des ultrasons avec une fréquence qui est très élevée. Et cette, euh, ces, cette fréquence, ces ultrasons, vont parcourir le milieu jusqu'à rencontrer un objet. Donc voici un poisson qui est plutôt en surface et un sous-marin qui est plus profond ici. Donc comme on le voit, euh, via la, la propriété des ondes qui est la réflexion, ces ondes vont provoquer un écho, c'est-à-dire que... Euh, en rencontrant l'objet, on va avoir un retour de ces ondes via euh, un récepteur ici qui est euh, dans le sonar. Donc on va pouvoir, grâce à cette machine, euh, voir s'il y a des objets dans l'eau, que ce soit en profondeur ou euh, autour de notre bateau. Alors comment ça fonctionne Donc on utilise la formule d est égal à v fois t. Donc d est la distance, c'est la, la distance par rapport à l'objet. Alors, euh, dans cette formule, en fait, on a euh, V la vitesse qui est une constante. On connaît la vitesse de, du son dans l'eau qui, qui va toujours être la même, et donc on connaît cette valeur-là. De l'autre côté, la durée est le temps qu'il faut au signal pour revenir, donc de faire l'aller-retour émetteur-récepteur. Et donc, qu'est-ce qu'on constate bah, C'est que euh, lorsqu'on va croiser un, un objet qui est tout près, donc que ce soit en profondeur ou sur le côté ici, le signal va revenir beaucoup plus vite que s'il est très profond ou très loin. Et donc, avec ces deux données, on peut connaître la distance de notre objet, qu'il soit soit en profondeur, soit euh, éloigné de notre bateau. Donc la vitesse, comme on le met ici, est une constante, et la durée, c'est la réception du signal, donc ça nous permet de calculer la profondeur.